Waddle évoquait le match de Benfica, sachant très bien que rien n'était joué malgré la victoire du match aller. À Lisbonne, ce 18 avril, 120 000 spectateurs ont pris place dans les gradins du stade de la Luz pour supporter le champion portugais. L'OM va une nouvelle fois prouver ses qualités à travers Waddle, Papin et une défense parfaitement regroupée. On joue la 52e minute lorsque le numéro 16, Vata, fait son entrée à la place de Lima. Personne n'imagine à ce moment que Vata sera le bourreau des Marseillais une demi-heure plus tard. Ce corner de la 83e minute, tout un pays l'a vu et revu au ralenti, sous tous les angles. Aucun doute, Vata a marqué de la main. Seuls deux hommes n'ont rien vu, l'arbitre, le Belge Van Langenov et son juge de touche. Ce but est synonyme d'élimination. La France pleure comme 8 ans plus tôt lors de la demi-finale du Mondial à Séville. Marseille est entrée dans la légende. En une seconde, le rêve casse. La seconde la plus éprouvante pour les supporters de l'OM.